Chers amis, bonjour, bonsoir, comme vous voulez, fidèles à votre parcours de vie, diffusé le vendredi après-midi et le dimanche soir, bien évidemment, qui vous permet de découvrir des personnalités du pays, des personnalités bien ancrées dans le pays, qui ont fait des choses sur le domaine sportif, culturel, politique même. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Max Morinière. Max, bonjour, bel bonjour, en français comme tu veux. Bel bonjour, bel bonjour à la population martiniquaise, et même content d'être ici à Odia. Voilà. Justement, mais qu'est-ce que tu penses du principe même de l'émission? Tu sais, parce que souvent ici, c'est l'ovinimo, hein, il était beau, il était gentil. Non, mais c'est comme ça, hein, c'est comme ça, pays. Hein, c'est, on ne peut pas changer pays, hein, c'est comme ça, nous y est. Ouais. C'est là où parti, où on dit, ah, il était bon, il était gentil, il était tout bas, et puis bon, aucune reconnaissance avant. Ouais, ouais, ouais. Et justement, souvent, il y a le monde, hein, nous, qu'a oublié, enfin, là où c'est, tu as marqué quand même le monde du sport par tes performances, etc. Mais il y a le monde en pays, qui méritait ça, qui mérite, peut-être des gens même beaucoup plus humbles, etc., qui ont œuvré dans la vie associative, par exemple. Tu n'as pas parlé de ça, on va penser à Dodo. Ouais. Dodo parti comme ça, même parti, anti-Larry, porté, non, ben, grave, il fait pas pays, la musique qui était là. Pas Larry, pas anti-l'école, il y a l'école qui pas ni non. Ouais. Mais justement, Max, justement, est-ce que tu penses, par rapport à tout ce qu'on vient d'évoquer là dans le petit moment, que ces jeunes noirs, ils ont été un repère, ils ont été un exemple? Ça, la problématique, je pense, hein, c'est selon mon avis, ces jeunes n'ont pas à garder l'information. Je ne pas dire, fait là, que je côtoyer des jeunes, c'est mon temps à parler ça, c'est les réseaux sociaux qui ont regardé. Et je pense que jouent ces jeunes-là par rapport à la génération, nous, c'était télévisionnés. Patini, portable. Après ça, ces jeunes-là, ils ont pas l'information. Ce qui intéresse eux, c'est portable et puis business. TikTok, ben moi. Alors, message-là, je me rappelle même quand tu fais un moment, je compte qu'à envoyer des messages dans le TikTok. Mais ouais. Vous dites un jeune venu à 6, je me rappelle l'exemple. Moi, je ne vais pas vous aller loin. Il y avait moins, il y a moins. C'est mon temps à parler, on a l'information. Il parlait ça. Mais Max, même le plus grand chef d'État, Trump, par exemple, oui. C'est Twitter, il y a tout là où on est Twitter. Tout à fait. Macron, même de moi, si vous à l'époque, Macron, t'en rappelle. Même le téléphone est dépassé. Ouais. Mais tout à fait. Ouais. Et comme on regarde là, nous pouvons faire 10 000 informations, vous aimez ça, la jeunesse là, mais mon collègue, le plus important, c'est qu'il faut nous aller dans les réseaux. Yo, et puis, l'humain même, les relations humaines ont pratiquement disparu, puisque tout est artificiel. Oui. C'est un écran qui te parle à chaque fois, etc. Tout à fait. Ou quand on mettait 5 jeunes dans le tour de table, personne ne va parler, mais tout dans les portables. Alors, il faut faire l'information. Il faut mieux voir l'information dans les portables là-bas, et on va répondre. C'est du vécu. Ouais, ouais. C'est du vécu. Est-ce qu'on a pensé justement, on a dans le même monde d'État, et maman, l'émission est beaucoup bien, vous voyez, mais est-ce qu'on a pensé que ça a justement favorisé l'épanouissement, l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle peut remplacer l'intelligence de l'homme, etc., tous ces réflexes, toutes ces émotions qu'on peut avoir? Vous savez, moi, quand j'ai évolué, putain, moi, quand j'ai regardé à présent l'intelligence concrète, l'intelligence artificielle, je mettais le portable, il y a 10 jours. Parce que, je dis, mais ça présente à l'ensemble pour aller. Sous le bagage, sous l'information. Même l'école, à présent, c'est Bouga, il y a essayé un petit malade portable, puisque, devant là, qu'à bas, il y a l'intelligence artificielle. Tout le bagage, à présent, je ne sais pas à chercher. Il y a besoin de taper, qu'à taper. Même moi aussi. Donc, vous en baillez. Moi, quand aller, moi, vous en les gardez en prix en bail, en supermarché, je vais taper mon information. Toi, tout est venu à présent. Ça s'appelle les algorithmes. C'est-à-dire voilà. Que toute solution est faite, il suffit de cliquer là où il est. Et puis le raison, il n'y a même pas de raisonnement, on va pas raisonner. Il y a toute traçabilité. Tout belle. Et bien justement, nous avons vu un temps, comment on y est, la partie, la famille Morinière. Vous savez, les gens qui côté, qui. Les sites, les noms, qui commune, qui Nous, la famille Morinière, c'est les gens, ancien capitale de la Martinique. Ou sort qui est ancien capital de la Martinique, nous fait 7 mois. Ou pas, c'est bien quand même. Mais non, c'est. Ah, non, oui, c'est Max. Michel. Oui. Non, c'est Gaumont. Gaumont, à certains moments. Oui, nous fait Gaumont. Gaumont, on a été le grenier de la Martinique. Voilà. Voilà. Mais l'ancienne capitale de la Martinique, c'est bien. Donc c'est bon Jean Gaumont, quoi. C'est bon. Les parents, c'est Jean Gaumont. Maman, c'est Jean Glotin. Papa, c'est Jean Rivière-Lesa. La Rivière-Lesa, oui. Rivière-Lesa. Et puis, il y a un rattachement, apparemment, côté Terre Saint-Ville. La famille Suffren, Ambrel Bobayo. Musicien, dans toute qualité. Tout à fait. C'est et puis Basselin, la main. Vous en savez. Et justement, nous avons parlé de Gaumont. Alors, souvent, Gaumont, c'est un territoire, mais en pile, il est tout près, pas bon, qu'actuellement, nous avons dit. Le rapport avec la terre, est-ce que tu as toujours eu ça depuis ton enfance? J'ai cette chance, Michel. J'ai cette chance d'avoir ce rapport dès le départ. Famille de propriétaires, ou alors famille d'agriculteurs, on va dire.
famille d'agriculteur, parce que mon père, il vivait en ça, tonton, moi, par un moins, ces gens rivaient les âmes, c'était une bœuf, c'était une tout ça, et que, vous savez, ces gens-là, Dillon, moi, c'est un jeune de cité Dillon, et que peut-être tous les 15 jours, j'étais qu'à monter la campagne, et travailler terre, ramasser fruits, et ça a été, ça a été la vie moins. Alors, mon souci, c'est que moi, j'ai la terre, et par la chance, moi, j'ai la mer également. Mm-hmm. Puisque, à l'époque, là, nous étions jeunes, nous étions dans une petite maison. Dans une vacances, oui. C'est bien émêlé. Ouais. Bon, la famille, encore, nous, comme un carbone encore. Et nous étions monté bien émêlé, moi, j'étais bon la mer, moi, j'étais pêché. Alors, moi, j'ai la chance, là, j'ai la mer et la terre. Tu partages entre les deux. Les deux. Alors, moi, j'étais comblé, puisque, là, où certains week-ends, moi, la campagne n'est pas à main, des bœufs, des cacous, des bœufs, des zèbres, tout ça, bagaille. Et puis, le week-end, moi, j'étais monté, moi, j'étais fait radeau, moi, j'ai pêché Cyril Coin, puis les cousins, Georges Encarneau et compagnie. Alors, une famille de combien de frères, combien de sœurs? Bah, moi, j'ai une structure familiale. Eh bien, structure là, moi, c'est. Des filles, des garçons, quand il y a dit, que des filles, moi, j'ai sexé. Vous faites cynique? Non, moi, seul garçon, Moi, j'ai sexé, puis moi, c'est seul garçon. J'ai habité la cité de l'avenue principale, moi, j'ai là, seul garçon. Mais sans seul garçon, pas dit, moi, j'ai gâté. Hein. Non, non. Mais c'est là que j'ai arrivé, vous. Parce que maman, moi, justement, j'ai eu des sœurs, ils étaient les niens, petits garçons, comme ça. Les petits garçons, moi, m'a gâté quoi. Ouais. Donc, pas de jalousie. Non, pas de jalousie. Mais c'est du viande, mon petit Max Sauvier. Non, tout le monde me ça, mais l'avantage que Balaté, dans l'époque, hein, c'est. Souci, moi, c'était. Par, c'est travail, papa m'a appris un travail bonnet. Je travaille mécanique. Il était 4 dans le BTP, mais je travaille mécanique. Et puis, moi, 14-15 ans, moi, les juillet, août, privé. Moi, je suis job, et puis, parce qu'il était chauffeur camion, des fois, moi, il était camionné, moi, et puis, il y a pas de moment, le monde a payé 16-17 ans, moi, je travaille dans la société, il était 4 là. Sous milieu du Val-Coulé, ça n'a pas existé encore, mais il fait mon travail dans Bike Terrain. Dans la mécanique, dans quoi? Le BTP. Le BTP aussi. Pour tout entier, moi, je travaille pour tout entier. Moi, j'ai 17 ans, moi, je travaille pour tout tout comme était couvert, on était noir. Ça y est. T'as 18 ans. Ah ouais, puis après, le moment entre 18 ans, moi, tennis, chasse, moi, tennis, c'est 18 ans, moi, commencé le sport, moi. Et c'est là, maman, nous revient laisse le faux, mais c'est un soulagement pas moi. Ouais. Donc, en tout cas, maman est là, donc il n'est pas né, comme on dit, avec une cuillère en argent dans la bouche. C'est Thibault Long qui voit la campagne, qui a eu à l'Essène, qui peut élever Nas. Donc, c'est un homme inscrit dans le pays martiniquais. C'est-il l'école là où fait. Ah, mais c'est l'école, mais c'est bon. La Dillon. La cité Dillon. Depuis qui l'âge d'autre a habité la Dillon? Eh bien, moi, j'ai 3-4 ans. Ah, ti maman est docteur. Ça, on va aller mettre. Nous sommes Godissa, moi, pas à Djeshon et Godissa, mais là, t'es Tibolet. Puis après, nous descendons cité Dillon, et depuis cité Dillon jusqu'à 22 ans. Donc, vous connaissez toute l'histoire, le petit Casé-Rousse et le petit Tadillon. Oui, moi, Thiemil, mon gars, tout ça. Philippe Gaëtan. Mon gars, c'est toutes ces grands-mères-là, ces générations-là. Alors, à l'époque, nous avons fait grand tournoi de football dans les plateaux. Avant, toutes ces cahiers-là, nous avons l'autre, nous avons joué au football. Ouais, ouais. Et c'était distraction, nous, au football. Ouais, ouais. Ça, parce qu'après, là, Dillon prend en connotation. Ah, oui. Ouais, mais. On y était où est-ce que tu as venu aussi? Ah oui, bon, toute mutation est là, puisque, bon, regardons, bâtiment haut, c'est bâtiment, tu es Tony Pogno, tu es Tony Chasseur. Moi, il est Tony Chasseur, tu es gentil bolom. Et pour dire que la Dillon et Philippe Montanac, qui habitaient même pas 100 mètres de Bocaïmoué, la Dillon, c'est comme tu as dit, c'est un réserve de sportifs et puis réserve de chanteurs, tout le bail, quoi. Ouais. Alors, vous dites, mais toute l'école, classe primaire, c'est la Dillon. La Dillon, et puis moi, après mon monté, je prends des lycées techniques. Lycée technique, quoi. Je fais lycée technique, moi, passé bac, moi, et puis après. De quelle branche en lycée technique? La famille mécanicien monteur. Moi, j'ai bac mécanicien monteur, F1, moi, j'ai BEPC, AP, tourneur, fraiseur, voilà. Mon fond coup, on dit des gars, même Bassin Radou, ouais. Ou pas jamais travailler là-bas. Non. Moi, fait, ça, comment on dit, nous ne pouvons pas parler de la partie sportive, mais moi, parce que pour moi, tout de suite, mon trappé travaille dans ça, à tourner au fraiseur Bassin Radou, ben, là, il a fait ses bateaux. Oui. Moi, je trappe, je suis dans la société, hein. Moi, fait des mois là, et puis, il était pour les gars des mains, mais moi, tenais un autre. Avantage, oh, voilà. C'est que ça ne m'a pas resté, mais m'a tenu une chance de travailler dans des bonnes tâches. C'est payé toujours être en ouvrier dans ces cas-là. Oui, moi c'est payé être en ouvrier. Peut-être dans notre grand chantier aussi. Vous savez, la vie, c'est ça y est, ça a toujours matché moi. Vous savez, un jeune petit boulot, il le père, monsieur scolastique du club colonial, il m'a dit, mais allez, ouais, moi t'es au Galion.
monté au Galien, au MIC, je n'en boucle pas parce qu'il n'y a plus de 40 ans de ça. Et là, m'ont monté, et à part le moment de bas MIC, il a dit, moi, MIC en réunion. Alors, moi, là, j'ai regardé l'usine Galien, j'ai regardé ça en génial, parce que moi, j'ai tourné au fraiseur, moi, j'ai peigné en chasse. Et puis, il y a un gars qui a passé, qui a dit, mais ça, on va faire là. Je m'a dit, oui, je m'a attendu MIC X. Donc, ça, il a dit, mais, il m'a dit, bon, on l'a venu, c'est pas ici. Comment ça, il a dit, moi, ça? Mais vous êtes déjà connu dans le monde du sport? Pas encore. Pas encore. Vous gassez, vous avez senti, oui, il m'a dit, bon, on l'a fait avec nous, c'est pas ici. Je m'a pas dit rien. Je prends un fini de me rendre l'autre permis, je prends l'autre moteur, il me dit, ça, il m'a dit, il ne peut pas embaucher. Je vous dis, la vie est ce qu'elle est, tu vois. C'est pour ça que moi, des fois, il faut savoir écouter les gants. Et voilà, ça va, ça reste gravant en mémoire, moi. Ouais. Voilà, donc mesdames et messieurs, vous savez, nous, quand ici, en champion sportif, tout le monde sait ça. Là, pour le moment, nous parlons de l'embryon, du début, etc. Mm. Mais l'appel même du. Où ça va après? L'autre, gentiment, c'était football, c'était bagaille comme ça, les sports collectifs, ça m'a été tellement intéressé. Dis-moi, est-ce que vous n'y tant joué football à l'équipe de football? Ah oui, ben commencez par l'intrépide. Ah oui, manger boule cadet, l'intrépide était entraîné là, dis-nous, et puis à Wondel qui est toujours là, l'intrépide. Et ça, la, comme on toujours qu'a dit, la vie ou tracée, on peut faire ça au lait, c'est là où aller. Tu as commencé par le football. J'ai commencé par le football, moi j'étais bon attaquant, moi j'étais un match en lobby, nous t'ai fait deuxième championnat régional centre, et puis l'intrépide. Et je m'a changé, je m'étais même présélectionné à la sélection de la Martinique. Je n'ai pas allé, ça n'a pas été branché, je n'ai pas allé. J'ai été convoqué, moi, je n'ai pas allé. Et puis la vie fait que. Pourquoi tu es football à Guilherme? Ou pas, est-ce que vous êtes en jouant en première? Non. Ouais. Non. Vous faites cadet junior. Ouais. Cadet junior. Mais ça m'a le droit, c'est que les Martinique. Monté en grade, je ne peux jamais oublier ça. Henri Alonso était dit que je venais faire un essai au Golden Star. Et puis, je ne suis pas tout le temps. Et puis, je suis allé, je suis entraîné au Golden. Et puis, le champion est arrivé. Je suis venu pour jouer, je suis allé, je ne vais pas faire licence. Je ne vais pas passer les délais. Ah. Et ça qui fait, et après ça, je suis bifurqué. Nous avons bifurqué. Basket. Non, ça n'a pas jamais intéressé. Parce que tout le monde, en général, allait à Saint-Joseph. Saint-Joseph, c'est un ville de basket. Oui, donc, oui. Ça n'a pas tellement intéressé. Mm. Donc, le football, le chardin. Et puis, ou quoi grandi. Je fais un petit handball aussi. Handball aussi. Oui, je fais un petit handball international. Oui, je fais un handball. Et puis, Marcel Saint-Rose, il était quand Marcel Saint-Rose. Oui, c'est Marcel Saint-Rose. Il était aimé ça. Goudissa, oui. Mais. Handball a moins failli par amour, puisque mon ancien, hein, qui était vice-champion de France de National 2, il y a le JR, Marie-Hélène Morinière, et après ça, bon, il était, mais m'a fait un handball pour amuser quand même. Voilà. Ouais. Et le sport, etc., les parents, pas de gars doux, mais Max, il faut que tu cherches un emploi sérieux, pas de gars, parce qu'on t'est compté également, faire du sport professionnel, quoi, frère. Non, ça vient ni comme ça. Toujours pas en loisir. Vous savez. Là, dans la cité d'Ilon, là où c'est pratiquement seul garçon dans l'immeuble qui est à l'école, c'était moi. Tout comme moi, je m'étais arrêté à l'école. Moi, j'ai fini, j'ai 21 ans. Tout comme moi, depuis 15-16 ans, je m'étais arrêté, bizarre. Ouais. Et pour moi, c'est en fierté comme à l'école toujours. Tout comme moi, je m'étais arrêté, qui a fait job, qui a fait des affaires. Et moi, je m'étais à l'école tous les jours. Ouais. Et puis après, les rives que mon direction, mon France en dit. Alors, l'athlétisme, ça nous connaît, palmarès, tout à l'heure, nous arrivions à l'œil. Mais dans l'athlétisme, c'était surtout la course à pied, la course, ça n'a pas m'intéressé, ni 100, ni 200, ni 400, ni. Non, je suis François-Michel Macadou. Au départ, mon pas aimé ça, c'était l'athlétisme. C'est là, bon, le destin, c'est ça, le destin. C'est tout le monde qui a joué, pas de même ça. Vous ne pas connaître en piste? Non, du tout. Je ne pas connaître ça. Pour moi, c'était football qui a joué, puis c'est football, c'est tout. À l'époque, pas tenir l'hôtel était là, mais c'est moi qui a joué toute la journée, puis c'est comme matin. Et nous, quand descendons. L'hôtel, lycée technique, pas dit, nous, à le tout près, quand même. Mais je ne pas tes gens là, ça. Mémorial Marie-Pé, nous, pas tant de ces bêtes là. Je ne pas même connaître ces bêtes. Mais t'es la classe, bah, comme ça, les grands clubs, le club colonial. Rien du tout, mes frères. Alors, déclic là, il fait à quel moment, racontez-moi ça. Eh bien, déclic là, ça a commencé par. Après que j'ai oublié ça, moi, j'étais au lycée technique et Gérard Comwell, Gérard toujours là, il est en France. Si tu regardes l'émission, je m'en un gros bisou, un gros big up bye. Gérard dit, mais non, tu as trop de qualité, va courir, va au stade de l'UHL, va machin, je ne m'attendais pas à ça du tout.
Et puis, comment tu as là, l'arrivée Golden, quand tu joué, il dit mon papa, il m'a dit tiens, je vais essayer. Je vais faire un coup de couille. Vous savez pourquoi ça regarde ça? Parce qu'en général, tous ces grands sportifs-là, qu'on a dit, au tennis, il y a le phénomène assu, le sport scolaire. Et lui, Achille, femme qui a venu garder, pour toutes ces filles, cette jeune fille-là, ben, voilà. Ou pas le temps qu'on ait le sport assu non plus. Après, les qui venait l'UNSS. Oui, l'UNSS, oui. Moi, le temps qu'on ait ça, les gens commencé à rentrer dans l'athlétisme. Moi, les gens commencé à 18 ans. Ah ouais, on était à gants. Première année pour vivre un peu athlétisme, première année, les dit ma réforme, les joueurs comme elle dit, mais maintenant tu as trop de qualité, va courir au stade, va voir monsieur Marin qui me dit, moi t'es ni feu Rago, je ne sais pas si tu connais Rago, c'est pas, j'habite là, frère là qui est avant. Il m'a acheté, il dit, mais il faut venir. Et moi, parce que j'ai oublié, j'étais en défense 60 mètres, c'était un hivernage. Et là, on partait nous souligner, on était couru du pied. Toutes ces mères étaient là, les. Les nous partis, mon parti, les gens qui ont toutes ces boucles là, tous les meilleurs étaient là, je me rajoute, je me pèque, je m'oublie ça. Les grands étaient là, la bouddhi, gauche, noir, tout le monde était là. Tout le monde était là, les rigots, Berlin, Moi, j'ai tout le monde, Martial. Moi, j'ai tout le monde, je n'ai jamais joué dans le métier, je me rigue, là, tes boucles t'as sorti. C'est ça, mon panier du journal là, mais ça t'est matière, j'étais même trompé quand il y a le nom moins. Et puis le mot ça. Après, il dit, mais vous savez que tu as une bonne qualité. Il fait mes jeunes messieurs, Jacques Charpentier-Titi, que j'embrasse très fort, mon entraîneur de toujours. Il mettait moi en contact et puis après nous travaillons. Vous commencez à courir, c'est où elle est là? Ah, bien sûr. Elle est là où tu es là. Ah oui, mais l'objet de convoitise, vous voyez. Oui, moi, j'ai plein de goût de qualité, puisque Michel Le Grand, quand on commence à 18 ans, il dit, moi, que. Tu sais que tu as des cales, tu peux aller en France, on peut t'envoyer en France courir. Quand tu as un petit bout de la qui n'a jamais pris un avion, qui n'a jamais voyagé, il dit que tu vas, on va sûrement t'envoyer en France. Toute l'année, je gagne tout le monde en Martinique. Ben, pas de monde qui gagne moins, que ce soit à l'école. Après, moi, je vais te dire. Mais bien sûr, moi, je vais faire mon lycée, je vais aller à Guadeloupe. Je suis content. Parce que c'est la première fois que tu es capable. Grâce au sport, j'ai pris l'avion. Quand j'ai noté, quand j'ai joué au boulot intrépide, nous avons dit nous sommes sortis deuxième championnat et dit nous, comme nous faisons une belle saison, nous avons nous Sainte-Lucie. Je suis content tellement. Nous avons fait 5 réunions pour préparer le départ là, nous n'avons pas joué à Sainte-Lucie. Ah, vous êtes déçu, Oui, mais mon pâté, je n'ai pas pâté, je pouvais non, faire ce côté. Je suis content de Sainte-Lucie. Et puis, le roi n'est pas vrai. Et puis, le roi est athlète, je dis que tu as des cartes, peut-être quand on va au championnat de France, mon vieux. Personne ne parle de moi. Hein. Moi, j'étais un peu sous les un peu prendre d'occasion. Ouais. J'ai 60 francs d'achat. Et puis, ça m'a couru toute saison. Mais, première année, hein, pour dire les spectateurs. Mais ton premier club a toujours été le. J'ai fait Club Colonial. Club Colonial. Après, m'ont changé. Après, il y a l'Ascoya. L'Ascoya, oui. Fait Ascoya, m'a fait Golden. Mais c'est bien après. Hein. Mais mon club d'origine, c'est de le base, club, c'est le de base, c'est Club Colonial. Mais, première année, m'ont commencé. Je dis, mais tu ne vas pas rentrer en France, mon vieux. Moi, je suis un avion, un gros avion, tu là. Et les mains, ils vont en France, première année, moi, j'ai tous les meilleurs juniors qui étaient en France. Nous arrivons là-bas. Alors, justement, au cas de moi, effectivement, mesdames et messieurs, Max est en train de dire que tout le monde a accéléré, du coup, et les parents, à présent. Il y a un petit bonhomme là, ou maintenant, à présent, c'est un qui se porte intéressant, ou. Ah non, mais. On est en passé, enfin, bah, tout ce matin-là, c'est pas grave. Après, pas que là, m'arrêter. Mais ça, moi, les deux là, c'est que les parents, c'est un plaisir, bah, pour que, ici, bon, dans l'escalier, puis quand on a certains sont, l'autre domine nous. Mais si tu veux, je t'ai c'est un fierté. C'est un fierté, mais c'est un filière, bah, moi. Moi, des fois, Raphaël, m'a dit, mais si, mon père, t'es fait sans monter, qu'il y ait, mon père, ça c'est grâce au sport, les Savigny, comme mon parti, premier année, mon champion de France et compagnie, vice-champion d'Europe. Tout de suite, c'est monsieur dit, hop là, une qualité. Et puis ça m'a ouvert des portes, comme on va dire, ça a ouvert la porte bas. Hein. Moi, entré la direction du travail, après moi, entré la chambre de. Nous ne pas les parcours professionnels nous-mêmes. Voilà. Mais justement, parce que je suis constaté qu'on a fait tout le bailloir, mais derrière, il y a une famille quand même qui tient. À ce que ça, c'est ça, pas n'importe quoi qu'on va faire. Est-ce qu'on t'a toujours donné des valeurs? Est-ce que, par exemple, est-ce qu'on est croyant pour commencer? Oui, je suis croyant. Oui. C'est à maintenant croyant. Oui. Mon croyant, mon tapant de déception, parce que. Mon croyant, si? J'ai la foi. J'ai la foi. J'ai la foi, mais j'ai perdu ma dernière fille il y a 6 ans bientôt. Et ça fait moi mal. Il m'a dit, ça, bon Dieu, fais-moi. Bon Dieu, cette année, pauvre, bon Dieu. Tu as douté à certains moments. Ah oui, j'ai douté parce qu'il m'a dit, tu m'as là, t'es en santé. Il m'a dit, boutique, c'est pas moi, il prend. Ça t'a touché beaucoup. Ah oui, ça. C'est un peu sensible. Ah, très sensible, mon frère. Très sensible.
Mais on quand on nous parlait là, il a dit, mais non, mais c'est en foutu. Ah non, non, moi, j'ai déjà la côte comme ça. Ah non, mais c'est Denetti, Tibébé, moi, à partir, moi, à l'audit, ça fait très mal. Mais moi, j'ai dit même là, quoi, pas. Donc, vous avez compris qu'il a quand même un cœur, c'est quelqu'un qui a le sens des valeurs, travaille, pas mal des mondes, a un guitare, fait sa force, etc. Bah, là, il a monté. Alors, je vais quand même demander à Manuela et à Jordan, parce que nous sommes en espèce de bouc terrible avec Jordan, de nous diffuser les premières images, peut-être de masque, et puis nous allons commenter ensemble en attendant la suite. OK? Quand vous êtes prêts, vous allez nous balancer les premières images. Alors. Voilà, ma kawan équipe, c'est un équipe football ça. Ah oui, ça c'est l'équipe le tripide là qui là. La Dilon. La Dilon, c'est un terrain au fond là, c'est à l'époque tenir le terrain. C'est le petit image, c'est le petit photo qui était dans le tripide, vous savez à l'époque pas tenir pour à présent. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Et là, quand on a des matchs, on est toujours au cœur serré, puisque il y a des qui sont morts en dédain. Ah ouais, ouais. Le gardien en particulier, il a tué. Mais bon, c'était celle-ci souvenir. Non, là, c'est déclenu. Déclenu, la clé, regardez, la DDR, la salle. Ouais, ouais, ouais. Voilà, c'est déclenu. La sécurité, c'est l'ancien. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et puis, voilà. C'est... Donc, régulièrement, on est au stade déclenu. Oui, dit... là, c'est un match championnat. Non, un match championnat de Gavella. Ouais. Eh bien, voilà. Donc, au commencé, là où tu étais cadet junior. Ouais, dans ces eaux-là, cadet junior. Oui, puisque cadet junior au début, puisque. Quand tu étais cadet, tu jouais des gens junior. Oui, oui, ouais. Oui. Ah oui, je me tape une de combat. Surtout, là, nous avons chopé dans le nord, Bellefontaine et compagnie, Caspilote, là, nous avons toujours là, puisque nous avons chopé dans la zone là. Mais bah, nous, je tape une de combat quand même. Si vous regardez, quand même. Nous avons combat là, ah, nous avons des combats quand même. Je tape, bon, j'ai des bons amis, je tape des camarades, des combats. Mais je dis, mais c'était légitime parce que si vous regardez avec Tchébé, moi. Puis tu es chibé, mais tu es capable de cloche pas. Parce qu'on est parti pour y chibé, on est capable de cloche pas. C'est pas honnête, ça. Évidemment, je ne peux pas faire tout le temps. Ou pas, parce que chaque fois que vous avez bougé, tu es obligé de cloche pas. Alors, tu es des formes d'animaux, on est capable. De cagoumé, c'est vous. Donc, Louis, tout jeune cadet. Une autre image, si c'est possible, dans le Nodal, avec notre ami Jordan et Manuela. Allez, on attend notre image. Mesdames, messieurs, là, je suis en belle jeune gens, hein, costaud. Alors là, en boutade, est-ce que, là après ça, quand on regarde au point, pour du volume, est-ce que vous êtes astreint à un certain régime pour que ça reste en forme d'Allah? Ah oui, ça c'est sûr, c'est vrai, hein. Ça c'était une tenue. Et à vrai dire, nous n'avons pas aussi suivi qu'à présent ces sportifs-là, mais nous tenions comme une hygiène de vie. Une hygiène de vie, oui. Hygiène de vie, oui. Tenir une hygiène de vie, ah oui, c'était sûr, c'est vrai. Des bébés, vous pouvez manger, puis. Vous pouvez pas de l'alcool, vous pouvez pas de la vie. Vous pouvez pas fumer, non plus. Ah non. Vous pouvez jamais fumer la vie. Et non, je ne pouvez pas de l'alcool. Peut-être des fois nous, la rabattie anti-vermont et puis les amis, mais c'était très rare, très très rare. Vous avez dit ça parce que moi, comme comprendre que vous étiez quand même attaché en cellule d'amis, de camarades. Ces camarades-là disent non, pendant quoi faire tout ça? Ces camarades-là disent non, là, et vous aussi. Toujours. Entre Tony et d'autres qui partent. Tout le monde en France, ça a bien payé à la vidéo. Il y a eu une formation, payé à la vidéo là. Tout ce moment-là en France. Toute bonne partie en France. Ouais. Moi, je vis en pays, moi, mais bah, ça veut dire que moi, toujours en contact avec eux, puisque je crée un réseau, je dis en connexion, et depuis un moment, je vais mettre en l'air, et je vais avoir un coup de cœur, bah, François Chancho, il me s'est mis en place un réseau où nous avons une fois l'année, dans un restaurant, et puis nous avons passé des moments, toute une génération, moi, ouais. Et c'est super sympa. Et puis ça nous a regardé aussi, nous allions parler d'amis d'enfance, de camarades, etc. Mais, on est des nouveaux camarades. Et pour nous, nouveaux camarades, parce qu'on sont champions aussi. Il y a bien beau maintenant. Donc, ton cercle d'amis s'élargit petit à petit. Alors, est-ce que vous influencez ça par ces camarades-là? Est-ce que... Non, je ne pas. Vous êtes meneur où? Meneur, on pourra dire oui, mais ça, je ne pas depuis jeunesse. Quand tu es présenté, tu peux le suivre avec l'abonné. Et moi, j'ai une confiance en moi. Et ma page en filmé Zeb et compagnie. Des fois, l'un des cas dans le stade là, retour, c'est Bouga. Comme... Il faut dire ça, je insiste à ça. Je suis sorti là, il a l'entrée de l'UHL, sans l'auto, stop. Et puis le retour, il y a un Bouga, je remercie M. Barclay Gaspard, qui était vendu à l'époque. Il était déposé nous, là, retourner le soir. Si nous ne pas t'étraper, stop, nous devons prendre à pied, remonter là, dis-le. Mesdames et messieurs, pas tenir TCSP à l'époque. Hein. C'est-à-dire, c'est stop pour quoi faire, comment regarder Bozo, ou bien traîner à lui-même, car on a un tout à fait, ou bien on va bien.
Même l'endroit au boulot aussi, c'était dépassé. Vous avez là dit non, lui a chez la pied. Oui, oui, là se fait ça. Là, nous avons descendu dimanche matin, nous avons match football. Là, Dylan, puisque il a convoqué à 6h30. Il fallait descendre là, Dylan. Soit pas attrapé, stop, descendre à la savane pour attendre le bus là pour mener monter. Je boule, hein. Ouais, et ouais. Rabot, là, au fin, il rabot, on sort du chépi en soldat. Vous connaissez ça, on sort du chépi en soldat. Après, il peut monter. Ouais, ouais. Pas ni papa, moi, je suis chez moi, mais il n'est pas encore chez moi. Puis ce côté, même les monde qui a fait sport de. Bah, jamais, moi, je ne peux pas me venir couvrir. En fois, c'est tout. Ouais, ouais. Ah non, mais là. Mais justement, il n'est pas, mais il n'y a pas veillé au grand affaire. Non, c'est sûr, l'évolution. Oui. Mais à part ça, vous avez un mec qui sort de cinéma, ou pas de danser, ou pas en grand danser. C'est après que vous commencez. Après, oui, puisque vous savez, vous connaissez ça, Michel, c'est moi qui ai dansé. Les parents, mais moi, tu es allé, puis yo, les soirs, les mois, moi, j'ai un petit beau homme. J'ai 13, 14 ans. Tu as quatre cocottes là, ou là, mon gars, tu as un petit coin, raconté, Michel dit, moi, j'ai eu des fois des cachons. Puis ensuite, ben, moi, c'est grand que c'est à la bonne, puisque fallait monter à l'épice, c'est moyen. Ouais, ouais. Monter là, mais bon, moi, j'ai regardé. Mon père, qui est levé à l'époque, on était 13, 15. Ah, mais oui. Il était une belle grande. C'est ma Martin classe, c'est madame, belle, moi, j'ai regardé. Ah, non, j'ai regardé. Donc, nous gardons toutes ces bagailles. Et puis, il y a un bagaille aussi, vous parlez maintenant, les adhérents en mai. Ça n'a pas une natation, ça va. Ou ça n'a quand même, mon cas, si vous avez. Il y a une natation, Michel. Ouais. Moi, je fais une préparation physique. Je me dis, tiens, je vais faire une préparation par la piscine. Je fais deux allers-retours piscine carré. Je viens de là. Effectivement. C'est mon appât, mais sans sport qui est là. Ça veut dire. Je fais ça. Je me dis, bon, je vais commencer par la radio. Non, non, on dépose ça. Même moi, j'ai une bicyclette aussi. Hein. Oui. On est sorti là, dit, on a fait par Saint-Christophe. Et là, pour le premier pont, on était là. Là, on fait le premier pont, je vais prendre une descente. Bon, mais j'ai gagné, c'est maïda. Ah non, oublie, là, le vélo. Vélo, natation, ça arrête. Je respecte tout le monde qui a monté Bécané et qui a fait natation. Ça arrête même. Oui, oui, oui. Alors, nous parlons de toutes ces baguettes-là. Effectivement, nous vivons les carrières sportives-là. Parce que, mais il y a des bougs en Martinique qui font le bagage dans le sport. Je vais prendre des exemples qu'on gagne en bas. Mais dans le football, Victor Jean-Baptiste, par exemple. Ah, oui. Même dans le sport, avant, pas tenir la nuit des sportifs, hein, pas tenir ça. Hein. Est-ce qu'on a pensé que vous êtes reconnu à juste valeur? Non, moi, j'étais le premier à lancer ça. J'étais le premier meilleur sportif martiniquais. Le lancer ça, moi, c'était en 1989. Camille Alexandre, la nuit du sport. Oui, la nuit du sport, j'étais le premier à recevoir un tableau de... Qui n'a artiste? Eh bien, moi, bien, artiste là, ben, moi, il est des trois îles, l'artiste des trois îles. Ben, moi, on est au Corail? Corail, oui. Coco. Ouais. Le Coco m'a offert un tableau, Claude Lavenir, qui c'était la première nuit des sportifs, il m'avait offert un tableau dédicacé par Coco. On est quoi? Et il faut pas m'en dire ça trop fort, puisque... Ah non, mais Coco, enfin, vous savez, le premier tableau Coco, c'est Ah oui, c'est le maître. Ouais, le maître, ouais, ouais. Ah oui, ouais. Dédicacé, il m'avait offert un tableau. J'étais le premier martiniquais à recevoir la nuit des champions. Ouais, ouais. Ils ont gardé ça parce que justement, nous n'y pas à l'ELTA, nous n'y en grand sportif, champion de France Mounan, tout le bateau. Et puis nous n'y actuellement des sportifs, nous avons dit qu'ils capricieux. On va quand même raviner quoi. Là, on regarde au football, par exemple, on a des carrières qu'on tel, un jeune gens. Hein? Hein? Mon petit, t'es carrément mon accord, m'a doublé encore. À présent, il y a Real. Tu as vu le salaire des gars? Oui, oui, c'est exorbitant. Mais vous-même, qui pratiquez le sport de haut niveau, est-ce que vous pensez qu'il y a un jour ou est-ce que le sport apporte au là? Oui, mon père dit non. Ça permet de faire des bagailles qui connaissent. Des... Non, premièrement, le sport m'a permis de connaître le monde entier. Et puis le sport m'a ramené un peu d'argent que je puisse construire ma maison pour être à l'aise. Et puis la chance qu'on a eue, on arrive en bon période là où le sport commence à avoir de l'argent. Tu parles du sport professionnel vraiment là-bas? Oui, hein, oui, ouais. Là-bas, je parle là-bas. Hein. Mais ici, la région... Est-ce que tu as couru, par exemple, en équipe de France d'après-midi? Ah oui, mais oui. Bon, alors là, on va avoir des images. Je propose à Manuela et à Jordan de continuer ton périple avec des images de sportifs. OK, de sport et de sportifs, comme vous voulez. Allez, on balance une ligne, c'est bon. Nous attendons. Attention, alors là, je vois un podium. Il y a trois. Oui. Tu es sur la première marche? Yes. À ta droite, il y a qui en deux? Le numéro 2, c'est qui? Le 2, c'est Bruno Mayroz. Bruno Mayroz, comme je te disais, là, c'était... On est en Martinique, toujours, hein? Non, pardon. C'est le championnat de France. Je ne sais plus, c'est Annecy, je crois. C'était premier ou deuxième année chez Junior au moins. Et
C'est mon tata qui a mené le sprint en France. Marioz et puis Sangouma. Il est arrivé, on mettait au tac. On met les pendules à l'heure. Mais justement, mais j'étais toujours monté, moi, même si. Jusqu'à présent, on est frères. Ouais. On est frères. Bon, nous parquions comme nous tous les week-ends. Mais depuis notre manifestation, nous, là, si depuis la fédération, bien, l'opportunité fait que. Il a invité moi, je suis descendu, puis nous, ouais. Et nous, des fois, nous, quand on. Alors, tiens, Bruno Marioz, tiens, il faut le dire. Monsieur travaille aux Jeux Olympiques. Il a préparé Paris 2024. Il était responsable d'une structure de plus de 4000 personnes. Logistique. On parle des récents Jeux Olympiques. Oui, oui, ben, il a face là. La France pas fini hier, d'ailleurs. Voilà. Bref, ouais. Voilà, monsieur, depuis 3-4 ans, il a ça. Il était responsable logistique. Mais c'est depuis de 4000 dans le côté. Sangouma, il est responsable des sports, la Réunion. Et puis, bien sûr, on peut parler du 3 balles qui est dans notre état d'esprit, préparateur physique. Donc là, tu avais quel âge à peu près ? Là, j'avais peut-être 19-20 ans. Là, champion de France. Champion de France. Et puis, j'avais, cette année, je crois que j'avais battu le record de France du 100 mètres également en senior. On rappelle quand même les temps. 10-09, qui a été mon record jusqu'à présent, au record de la Martinique. 19. Parce qu'il y a un bagage aussi pour nous dire, pendant longtemps, le record de France a été détenu par Bambuc ou Roger Bambuc. Roger Bambuc, tout à fait. Et tu es arrivé dans cette nouvelle vague. Tu as oui. Là, nous battons au record de France de Roger Bambuc de 4 fois 100 mètres. Ouais, ouais. Et ça t'est matché moins, puisque c'était aux Jeux Olympiques, on a eu la médaille de bronze, et aux Jeux Olympiques de Séoul. Et il est arrivé à Paris. Bambuc était ministre des Sports à l'époque. Ouais. Et Bambuc invitait. Il venait vous féliciter. Ben, il venait, ouais. Invitez-nous à dîner dans un restaurant à Paris, inviter les quatre relayeurs, parce que nous étions battre encore lui. Et puis bon, mais c'était ministre, on pensait bien que le ministre des Sports t'invite à dîner à côté de Paris, nous étions là dans un restaurant, mais c'était sympa. Amani Aboudinou, également, que les sportifs antillais, l'aïe à niveau Tala, est-ce que la République les reconnaît vraiment? C'est hésitant, parce que c'est un combat perpétuel. Hein. Ouais, mais tu vois, peut-être la foi, c'est frère. Ah, ben oui, hein. Oui. Non, ça m'a bien dit, ce combat-là, c'est que toujours rester au niveau. Les balles, là, quand commencé à descendre. Inconnu. Il peut la joue, mais c'est un combat perpétuel. Tu sais, le sport, c'est la vie de tous les jours. Regardez, moi, je finis ce sport-là, mais même dans le travail, moi, il faut me goûter toujours. Ça permet aux jeunes qui vont venir dans le sport, ça leur permet d'avoir une certaine positive attitude par rapport à la vie de tous les jours. Wow. Des bains, ou obligés de faire, ou qu'à faire, ou quoi, avant fléchir, ou quoi, tibérette, puisque, ou sont sportifs, ou faire du sport de haut niveau. Ouais. Et tout ça, en fait, faut gagner. Et c'est pour ça qu'on regarde ces patrons, font embaucher des sportifs parce qu'ils payent peine. Tu as assisté aux récents Jeux Olympiques. Là, nous avons du bon, on a vu du moins bon également. Mmh. Est-ce que tu as la conviction qu'en France, il y a encore des Antillais qui peuvent briguer les premiers rôles? Bon, ça dépend de discipline, là. Là, je regarde à présent, il y a le Rennes de Teddy Riner. Bien content, il montrait qu'il faut les Outre-mer, il y a le Black qui montre les podiums. C'est bien, mais retour là, c'est qui tant? Il faut nous avoir retour là à présent. On a apporté à Riner et compagnie, mais regardez en Martinique. Nous avons une seule médaille quand même, hein. La fille à l'escrime Nizima. On avait 11 potentiels. Les 11 sont celles qui portent les médailles. Et en les 11, il y en a 3 qui étaient là, sans participer, étaient remplaçants. Maintenant, moi, comment qu'a dit, comment qu'a dit le sport, nous pas mettre qu'on nous en question. Tout nous pas nous dit stop là, puis allons se rencontrer, allons faire une table ronde, qui dit que ça nous reprend. 10 politiques là, nous t'es qu'en vie. Tout là, nous avons écrit président de l'Etchimi, ouais, nous l'est ici, nous l'est ça, mais l'état actuel du sport martiniquais, mon ami Meryl m'a dit, il faut nous faire un stop là pour nous garder côté nous aller. Parce que l'organe mise au point, peut-être. Mise au point. Un nouveau départ, franchement. Un nouveau départ. L'organe la Guadeloupe, la Guadeloupe trappée, nous ne pas trappée. Et il faut nous dire à présent, écoutez, nous aller. Et ça nous a fait à ce moment-là. Et ça aussi, Max Pagadi, dans tous les sports, c'est pas seulement. Ouais. Par exemple, tu vois, au niveau du football, tu vois que ça tourne en rond, enfin, bref, et puis le gain, ça. Mais c'est dans tous les sports, pratiquement. Ouais. Des fois, on a senti que. C'est dû à quoi? Le manque d'infrastructure, le manque de sérieux, nos manières comme à quitter le président de la Ligue de football, autant les attaques que sortent en l'aide. Oui, dernièrement, moi, toujours ni en suspicion. Nous pas qu'à croire en nous, c'est ça. Mais vous savez, ben, là, changé. Michel, pas où m'a dit ça. Là, nous, t'es qu'à courir, nous, t'es qu'à boule. C'est en fierté. Fierté de se surpasser. L'esprit de clocher. L'esprit de vouloir arriver, gagner. Actuellement,
on te boucle de bouffe, mon exemple, comme un séance d'entraînement, les fait trois, il est fatigué, mon maravine dit, mais il est fatigué, mon fils, et moi. Mais non, l'auteur de quoi fait sport, tu as fait sport pour gagner. Comme toujours, Valéota m'a toujours dit, nous ne pouvons pas faire sport. Souvenir, on fait sport, puis depuis au bon, un petit coup, quoi, crier. Si vous voulez, je dégage le boule. Et tu tapes quoi, tu tapes. Moi, je dis, mais finis le football là, puisque où ça, football là, sans sport de contact. Pas fait football, il faut le bail. Mais il faut nous arriver à former ces jeunes noirs dans la dureté. Je vais l'exemple, je vais remercier la politique là, c'est tellement. Depuis un petit jeune arrivé, il a fait des demandes de subvention. Le président a dit, oh oui. Mais à l'époque, moi, l'époque, nous, il fallait nous être gourmets. Goumen pour t'apprendre, il fallait être champion, il fallait te montrer valeur sur ce qu'il a fait. Mais après, c'est pas facile. Wow. Ben, même trop facile, je trouve. Oui, mais il est trop facile. Mais vous, par exemple, vous finissez de m'en bagaille, vous prenez un risque, évidemment, vous faites sport de haut niveau. Est-ce que vous avez, par exemple, blessé en carrière ou en claquage en bagaille comme ça, et puis vous étiez plusieurs mois à pied? Ah, mais bien sûr, oui, frère, bien sûr. Plusieurs fois, oui. Mais mon rapport, plus belle là, c'est que, je rappelle que j'ai oublié ça, qu'on va dire, 88. Moi, tu es champion de France senior. Senior, tu es mon coup et puis Firman Panzo. Oui, Herman. Oui, Firman Panzo. Mais je t'ai là, nous couilles. Moi, tu es pratiquement le meilleur sprinter français. C'était à Lille. Et nous partis en demi-finale. Moi, tu es douvant, écoutez bien. Moi, tu es douvant. Moi, claqué. Moi, finir là, ça, j'ai fini deuxième. Mais quand on parle pas le jeu. Et on continue puis non, mon continue, mon franchi là, moi fini deuxième, malgré moi t'es blessé en lançant le jambe, ballon maintenu. Mais mon père parle aux Jeux Olympiques, mon claqué, qu'on va dire, mon parle Los Angeles. Mon raté mais la vie fait que et on m'a allé. Mon quoi oui, on m'a allé et puis voilà, il est allé oui, et m'a participé à Los Angeles, mais ça m'a les douleurs c'est que l'ONC preuve là, ça a adouci parce que après m'ont fait les Jeux Olympiques, m'ont fait des Jeux Olympiques, je suis fait troisième, je suis blessé à Atlanta en 1996. Là, je m'en arrêté carrière moins, mais je m'en fais les Jeux, je m'en tente être médaillé, je m'en prends le plaisir de l'Olympiade, je m'en connais ça. Ouais. Justement, on parle maintenant du sport à certains niveaux. Léo, en équipe de France, par exemple, bon, il y a des chiens de dents blancs, mais c'est au petit soin. C'est-à-dire, on y, individuellement, on m'en occupe des autres. Alors c'est on est masse ou ni qui ni ou non là on équipe de France d'athlétisme on est tout ce monde là yo là yo yo obligé pas puisque yo payé pour ça soit même assez même pas trop même assez moi tu me fait bien moi tranquille en chambre quand mal ben nous comme assez comme nous mais bon là il y a un vrai problème on est ostéopathe maintenant ostéopathe parce que des fois on a mal dos ou bien des choses musculaires pas non sinon des choses on oublie des bouts blessés on faut même pas de blessés. Des bouts blessés, on prend l'équipe de France d'athlétisme, puisque c'est courant à rouer. Des bouts non contactés, on ne peut pas me dire ça, parce que si on dit ça, je vais mettre de côté. Alors, là, si on a un petit pote, quoi, c'est un petit bout, on ne peut pas dire ça, parce que. Moi, j'ai regardé ça. Ma grande image, là, justement, là, je dis là, exactement. Là. C'est roulou, Japon, mon papa bien, mais c'est. Quand on regarde là, la culture fait partie du sport, puisqu'on va voyager, on rencontre des montants là, en bateau, en Chine. Et ça, c'était sympa. C'est des côtés où on rencontre des gens. Moi, vraiment, j'ai chien. Vraiment, j'ai chien. Ma gagne est tout bien. On est monde qui mange ça. Ouais. Donc, ça a ouvert d'autres horizons, ou a ouvert d'autres bagailles, ou a pensé. Et vous-même, vous êtes un homme qui est curieux de nature. Moi, bien, mais domainement, c'est. Moi, bien, mais. La mer, moi, mes bateaux, mes cimetières. Ah bon, oui, c'est un homme de mer, moi, mais la mer. Mais moi, pas du aller faire shopping, c'est pas bien, moi. Ouais. Ça, moi, je viens en compétition, ou pourquoi Max aller faire des emplettes, comme si vous avez fait, à droite, à gauche, acheter ici, acheter ça, non. Peut-être après, moi, je suis allé, peut-être depuis un des deux combats, faire des emplettes, mais moi, je suis allé moi. Moi, je suis venu faire compétition, moi, je suis venu pour compétition, je suis venu pour faire shopping, pour aller visiter les musées, voilà. Alors, en matière de justement, dit qu'on est pays, ou fait l'Europe, certainement. Oui. Est-ce que vous allez en Afrique, par exemple? Non, l'Afrique, non. Oui, l'Afrique m'a fait l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord, m'a pas fait l'Afrique du Sud. On parle contre l'Afrique du Sud. Mais toujours dans le cadre sportif? Oui, toujours le sport. Je ne m'a pas jamais dit, je m'en relevé, je au goût, je m'a pas contre goût. M'a dit, j'ai des opportunités, m'a pas allé. Est-ce que vous connaissez par exemple en Amérique les États-Unis? Oui, Canada. Canada. Moi, le pays m'a apprécié. Oui, Canada et l'Australie. L'Australie, oui. Ah ouais, c'est un très beau pays, des pays qui sont belles. Moscou, des côtés là. Japon. Japon, oui, Japon. C'est Japon. Ouais. Il nous fait Tokyo, il nous fait Séoul.
nous fait côté encore, nous fait une décoté. Ouais. Mais des, c'est des pays où. Moi, je suis raconté à mon sang, il y a peut-être quelques temps, l'Odé Martinique là, moi, je trouve que le gars goût, monde, c'est le charbon là. Un jour, moi, l'été, j'ai. C'est terrible ça, ouais. Ouais, moi, pour le même l'Odé, c'est mon café charbon aussi. Fou charbon. Fou charbon, ouais. Au Japon, moi, t'es pour le même gars. Et puis, même température que nous. Moi, je dis, mais même, je dis, moi, Martinique ici, et puis, bien sûr, c'est le côté, quand on est à gauche. Mais juste, Mathieu, j'ai regardé mon bel homme, parce qu'il y a des images, les images qui retournaient. Quoi, voyager comme ça. Mais finalement, chaque fois qu'on retourne, Martinique, l'avion posé, est-ce qu'on peut gagner une autre sensation? Vous savez, moi, toujours dit. Bah, c'est Léo, la vie, ouais. Non, c'est. Pays, c'est le plus bel pays au monde. Même pays, pour moi, c'est un pays merveilleux, c'est le paradis. Les mains virées, Martinique, mon content. Déjà. Moi, pas raté l'avion. Quand l'avion, c'est à, le vol là, c'est à 10h ou à 13h. Depuis 8-9h, je n'arrive pas. Je vais être 4h avant. Parce que moi, je tourne pas quand même. Je suis habitué pour l'avion. Mais moi, on s'en boucle comme ça. Je permets. Ouais. Ou dis-moi, un jour, je rate l'avion, c'est. Mon tape est tombé dans la tête. Parce que. Tu es arrivé dès l'été en carrière où 3 mois, 6 mois là-bas, ou bien entre temps. Au moins une fois par an, tu as retourné. Ah non, moi, tu as fait des trucs. Plus que ça. Ah oui. Moi, je vais essayer l'année de 90, là, nous battons encore du monde là. Je prends un appartement à Créteil. Bon, la classe, c'était la ville de Créteil m'avait offert un appartement. Et nous fait des intérêts. Et dans 2 ans, depuis nous tenions failli, Freddy a tiré aussi, depuis nous tenions failli, madame, je suis rentré. Ouais. Et ça coûtait moins de 3 meetings, un petit peu là, mais bah, la terre était chaud. Vous restez tout en l'année sans voir le soleil, c'était. Vous dites qu'il est très très important, on parle moins de famille. Enfin, c'est pas l'émission, c'est pas une émission, malgré là, ouais. Là. Donc, finalement, la vie de famille, vous connaissez ça, petit peu sur le tard. On va dire, ou bien assez tôt. Vous mariez à qui là, à peu près? Moi, pas jamais. Vous pas jamais marié, mais on vit en couple. Moi, vivant, moi, assez c'est bonnet. Assez bonnet. Thibault Lomani, 35 ans. Moi, vive très bonnet à 22 ans, 23 ans. Moi, c'est ma première madame. Moi. Ouais, ouais. Je fais 2 garçons, Manu et puis Michael, que je m'embrasse bien fort. Et puis après, ouais. Après quelques temps, Martinique n'est trop belle femme. Au moins, mesdames et messieurs, au moins il est sincère, il est franc. Mais concernant l'activité sportive, vous, est-ce que ça pratique également gêner vie au foyer? Ah, mais c'est dur, hein, c'est dur. Hein, ah. C'est dur. Hein. Moi, des fois, Thibault Lomé, quand j'ai expliqué Thibault Lomé, Thibault Lomé, c'était une qualité. Premier garçon, moi, qui est aux États-Unis à présent. Mais c'était une localité en football. Et comme vous savez, par rapport à. Parce que moi, j'ai eu contact avec le football. Les mauvais émissions, la Patrice va détecter à Brittany sur Orge. Je m'emmène à la sport études. Les mauvais émissions étaient qui font un bon carrière au football. Mais c'est fait un bon carrière avec des femmes, des belles femmes. Non, mais c'était comme attends, ça. Non, parce Max, que. Parce que là, ils ont entré. Ils ont arrivé, je ne sais pas. Quoi, Mbappé, il a gagné. Mais attention, pas arrivé là, frère. Regardez ça qui vient Mbappé là. Il est bien fort, hein. Oui. Il est parti. Il est piégé. Il faut. Mon douleur sportif, ça va. Il reste dans les parents. Oui, les enfants en France, des fois, pensent qu'il y a un carrière. Mais on est tout en accompagnement. Tu vois, moi, je savais citer, moi, tu es là. Mon rapport, c'était que. Puisque ici, puisque il était beau de qualité. Mais c'était préféré comme on était là, mais c'était ici, monsieur le mot passé, monsieur Gavol, monsieur Kaye en boîte, monsieur tout partout, parce que la vie, vous connaissez ça, monsieur le passé par là. Surtout Paris. Tu prêches un convaincu. Oui, voilà. Non, mais évidemment, et justement, par rapport à ça, à, quand même, vous tenez un enfant sur son champion, hein, de toute façon, c'est un là pour vous. Ou en référence aussi. Mon papa, c'est M. Max Mourinho. Donc, est-ce là aussi fierté de sa patrie à force en quelque part? Non, c'est très dur pour les enfants. Parce que, très dur, parce qu'il y a pas un nom. Et tout le temps, jusqu'à présent, mon cousin Mourinho, c'est un cousin de Nice. Monsieur fait sport aussi, Claude Mourinho. Avant de commencer, c'est le moment de commencer à l'athlétisme. Mais tu portes le nom d'un champion. Mais c'était très bon. Il se ferait papa, moi, ton cousin, moi. Eh bien, mais c'était très bon en son longueur. Mais c'est battre encore le force cadet junior. Et après, quand nous, il était souvent blessé, puis il arrêtait. Mais c'est Martinique pour l'instant. Mais il a porté Claude, et toute génération a porté Claude. Depuis passé Martinique, il a dit, ouais, mais tu connais Max et tout. Et, plutôt qu'à Ishmael, devant eux, c'était rivé. J'ai mon cadet qui était très bon niveau athlétisme aussi. Mais il était qu'on les moyens, il était blessé souvent, et puis il était carrière. Donc finalement, on a une pièce qui. Embrasser la carrière sportive. Alors, tout le mal que je me souhaite, c'est que mon itinéraire qui est plein de qualité. Ah, il y a une génération. Ah oui, me rabat, c'est avant mon mort.
Et moi, t'es quand vu où il arrivé, c'est petit bouga pétri de qualité. Alors, puis quand il voit le moyen, il m'a aidé, et puis un Jamaïcain. D'origine jamaïcaine. Alors, quoi, association. Et de neuf, l'athlétisme, c'est qu'à Martinique, c'est qu'à l'effort. Athlétisme. Il est 5 ans, il jeune toujours. 5 ans. Mais, ou quoi, ça, tu as une qualité. Et puis, petit, il y a des amis qui sont moins. Et tu vois, il papa, il encore plus vite qu'il fait la moi même. Nous sauver. Non, mais bon, donc, nous sommes une génération, nous sommes la fibre Martinique. C'est nous à mettre des moyens de détection, accompagner ces jeunes-là. Mais bon, là, nous que parle, nous que fait. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir d'autres images, Manuela et Jordan, si c'est possible? Alors là, yep. No. Alors, mais un bagage qui est très. Non, l'image de la macarena qui est interprétée dans notre manière. Ou c'est en antillais, ou un soleil, ça, j'ai dit moi. Est-ce que justement les conditions climatiques. Des fois, pas joint les performances. Pas véritablement. Là, que... Par exemple, là, vous étiez en plein hiver. Ah, là c'était nous t'es affiné quand au moins. On t'es affiné quand il y a au moins. Mais pas dis-moi, mais l'hiver, moi-même. Non, moi, pas l'hiver. Moi, ça n'a pas gagné. Alors là, l'image est très fort, ça vous m'en parle. Peut-être j'ai oublié. Vous êtes deux, là, qui m'ont dit là. Vous connaissez les, M. Paty, vous savez bien, M. Paty, vous savez bien qu'il en est. Eman qui là. Et comme par hasard, Vous étiez où là? Lucien Sertois était présent. Eman Panzo, mesdames et messieurs. Voilà. Grand champion également. Ouais, donc, vous étiez très proche. Ah oui, Eman, ah oui. On était fusionnel, c'est grand frère moi. Et Lucien te mène nous là, et nous pas là, nous tous ces bocaux là, qui a fait vestir, nous qui a misé comme nous, et puis, c'est bon quoi, ça se fait côté finlandais, puis maintenant, peut-être décembre 99, non, c'est juillet, juillet, c'est avant tout de yol, mais c'est mort, du dimanche tout de yol, début tout de yol, mais c'est Eman mort. Ça a toujours en ville, ben. Ah, jusqu'à après, Eman, c'est vraiment mon dos. C'est beau, regardez-moi, on était quelques temps, peut-être deux mois avant. Ouais. C'est dur, hein. C'était très dur. Des fois, pas à comprendre. C'est quand mon gérant qui. Oui, enfin. Mon père, mon garçon était à Sénatrice en l'eau bagaille, c'est un frère qui mort. C'était un certain route. Tu es sensible à ça, c'est-à-dire, ou proche d'un monde. Les nous bien, mais les nous pas comme ça. Ah non, ça a bouleversé moi. Ça a fracassé moi, parce que des fois, vraiment, ils vont pas comprendre. C'est une injustice, quoi. Oui, c'est une injustice. C'est pas Eric, ça a arrivé, c'est pas. Et Roman, ça a arrivé, Roman. C'est Sakamatio. Ouais, ça m'a tué un peu, le papa m'a parti, mais des gens qui ou pas comprennent. Ouais. On va avoir peut-être une autre image, s'il nous avait amené pas mal d'images. Là, alors là, ça, quand même là, ça va, ni plus clarté là. Ouais. On dirait qu'on est, si nous parlons des Champs-Élysées, non? Oui, mais c'est les Champs-Élysées. Eh bien, vous dites, on va parler quoi. Alors, on a qui de gauche à droite? Alors, de gauche, c'est Jean-Charles et Bruno Marie-Rose. Jean-Charles Touabal, le professeur Schwarzenberg, c'est lui qui lançait le don d'organes en France. Ouais. Et nous avons fait une opération et puis les Champs-Élysées, après Cotonou, Daniel Sangouma, c'était. Nous avons associé avec nous à cause d'Allah. Après, le don d'organes, ça a évolué, puisque à présent, on peut bien organes. Il faut dire le contraire, il faut dire pas d'accord avec organes, mais au départ, à présent, on ne peut pas organes. Mais est-ce que souvent, Herman Noué, etc., le don d'organes, est-ce que souvent vous associez quoi à des opérations comme ça? Des bains caritatifs, mais vous avez besoin d'une image sportive là, mais quoi, c'est autant de dégrinaires que vous utilisez en pile là-dedans? Ah oui, vous avez besoin d'une image de dégrinaires, c'est important, il sort les champions, il porte le drapeau. Oui, vous avez besoin, pour passer l'image là, vous avez besoin d'un monde qui est porteur, fait passer le message là. À l'époque, nous avons recommandé du monde champion de France, nous avons amené sur la sellette, mais tout ou pas tout. Et est-ce que oui. Là, nous avons un bail caritatif, mais est-ce que vous avez fait pub, par exemple? Oui, mais le football, là, besoin. Moi, fait pub, mais plutôt au niveau national. Les notes en français, ça. Mais s'il y a, nous, pas, nous pourquoi dans, après, dans Sacra, commencez à regarder, il fait, on peut citer, en marque de voiture, fait anti-campagne, et puis dit de l'épine, il rappelle les jeux. Mais c'est moyen. On n'a pas le réflexe.
de dire on va contacter des sportifs, qu'on tel marabout. Un exemple, pour prendre des sportifs, nous fait une belle campagne pendant les Jeux Olympiques, les sportifs, nous aller dans les écoles, dans les collèges, dans les Saint-Pierre, collège Saint-Pierre, que je fais un petit coucou, parce qu'ils font belle, la CPE a fait une grosse opération pour la flamme olympique au collège de Saint-Pierre, nous fait ça, mais c'est de la coup. On met en politique de détection, d'accompagnement. Oui, ouais. Voilà, je dis à là, nous faisons un coup par là. On nous dit, sous 4 ans, bon, les prochains Jeux Olympiques, c'est Los Angeles, 4 ans, on a mettre un plan sous 4 ans, on a donné des moyens à certains jeunes, allons les accompagner. Mais je dis, ah, on vient au moins des 10 euros, d'abord 10 euros, t'as vraiment des. Les paniers, il n'y a pas de truc défini. Ouais. Voilà, alors nous parlions de ça au début. L'éducation nationale et le sport dans les écoles. Est-ce que tu penses vraiment que ça porteur pour des mondes qui n'ont des prédispositions? Mais c'est plus que porteur. Doublement, le pays a besoin d'une reconnaissance à travers cette jeunesse. Jeunesse n'a pas de repères. Jeunesse n'a, regardez, des fois, je me dis que je n'ai pas ça. Il y a quand un meurtre là, la presse a déplacé, vous faites un reportage, on les côté tuémissier, fait des interviews. Ou quand il y a un champion qui a battu en course, qui a fait, il n'y a pas parlé de ça. La presse est plus intéressée pour les gens, pour le meilleur et compagnie, il n'y a qu'à déplacer quoi. Ouais. Mais si un jour nous mettons des sportifs là, nous mettons en place des suivis, combien de reportages qu'on a en Chambay qui est champion de France, mettons l'escrime ou bien peu importe, il n'y a pas fait ça. Oui, mais on peut dire, ça, nous sommes arrivés à la fin de l'émission, on a une conclusion pour faire ça. Oui. On peut dire quand même. Ou c'est en image de sportif de haut niveau, ou ni des images d'artistes de dimension internationale, au cas où, par exemple, là, il y a encore une photo qui sont là, juste, ouais, dès là, on peut même utiliser l'image. Ça, tu as eu un exemple d'ailleurs à la CTM dernièrement, dans certains moments décisifs. Oui. Ouais. Quand là, je suis rentré ben là, c'est moi qui a félicité pour montrer qu'il n'y a pas que les politiques. Il y a la culture qui peut avoir une idée. Pour aller chez Élysée, il est rentré chez Élysée. Mais nous là comme ça. On est, alors, le sportif, je suis caricaturé ça. Ou champion, il y a qu'à l'aéroport là, il y a qu'à accueillir, il y a qu'à frapper d'eau. Boum, on va voir plus. Les meilleurs sportifs martiniquains, qui t'ont envoyé. Chaque année, il a dit ouais, le meilleur sportif. Après, c'est qu'à ouais. Même pas d'anti-réception qu'on a invité. Rien. Alors, le Macadi, on dit, il faut nous mettre en valeur. Ils apprennent à être meilleurs sportifs, ils apprennent à faire une belle saison. Ça, qu'à faire, c'est juste un boutier flé en coupe, et puis nous finissons, puis ça. Mais Max, je pas dit le sport, mais c'est tout partout. Nous, considérons, nous honte. C'est ouah, mais où est-ce que Miss Martinique? Donc là, on est des jeunes filles qui ont préparé des concours, etc. Ils ont sorti au premier plan, ou pas Kawaii. On est là. Ah! Avant nous, ah non, alors là, ma tienne, ça fait. Imaginez nous regarder là. Ah, mais des moments, c'est. Ou te tienne à rencontrer monsieur là. Non, c'est il te recevait. Lui, il te recevait. Moi, hein, à l'époque, moi, t'es encore en vie. Il te recevait nous, l'Amérique, au 6e étage de la ville de Fort-de-France. Et si les mangas étaient où ces photos, ça serait un plaisir. Hein. Mais à l'époque, moi, peut-être, moi, j'étais bien content, mais pas une valeur de l'homme. Est-ce que tu as lu l'homme quand même après? Ah oui, j'ai lu. J'ai le cahier de tout. Ah oui, j'ai lu le cahier de tout. Et puis, mon cas de Tizeske, puisque nous, on a côtoyé certains monde qui bien aimé Césaire. Et moi aussi, à l'IKEA aussi, vous connaissez mon talent. Puisque Césaire, c'est grâce à l'ICIMA, mon entrée là, dit-on. Et puis, photo qui fait mon parler en pile, c'est l'NT bat encore du monde là, à Split, l'Esquigoslavie. Quatre nègres te battent encore et ça t'est. Tu vois on est non, Martinique, le record du monde, Max, c'était où ça, ça? Ça s'est fait à Split et là, c'était l'ancien aéroport là. L'autre qui arrive, l'autre qui a descendu l'avion, tout le monde d'Arcier, tout le monde était là. Et c'est mon temps pas là encore, c'est mon temps, elle savait accueillir. C'était marquant. Si on a encore peut-être deux ou trois images avant de mettre un terme à cette émission, qui a été formidable. Là, on voit une arrivée de 100 mètres là. Oui, ça c'est dans quatre faces à l'NT Batcoco, là, tu fais le tour de piste. Tu nous diffuses encore quelques images, si possible. Là, on te remet un trophée. C'est qui mon oui, c'est Eman qui l'a toujours, hein. L'ordre national du mérite, que Eman qui maintenant à l'époque, voilà, c'est comme on était proche, c'est Boudou. Ou chevalier ou bien ou commandeur, ou non? Mon papi, ça vous. Et là, monsieur Malde Aliké. Oui, monsieur Aliké, mais mon Dieu. Non, mais c'est bien, Emmanuel Abi. Et ben voilà. Donc, il a côtoyé de grandes personnalités du monde politique martinique. Alors, est-ce que justement, délai, mais de certains points, qu'on va regretter en carrière on va terminer là. Ouais. J'ai pas de regret. Le truc, comme je dis souvent, le manque à déplacer comme dans les cellules, invité moi dans l'école. Je m'a dit, moi, fait le tour du monde, moi, rencontré la résidence du pape,
le pape Jean-Paul II m'est allé à la résidence là, j'ai déjeuné à l'Élysée, m'est allé tout partout, le prince Albert de Monaco nous est allé chaque année, nous est allé là, c'est des boucs super super humbles. Et que grâce au sport, ça m'a permis de découvrir la mode de relation. Mais nous toutes là, la jet set, ouais. On pourra dire cela, mais oui, ça c'est sûr et certain, nous fait des belles la fête. Mais si tu veux, il faut rester, savoir rester humble et puis dire que tout moment, nous sommes passés dans la terre, il faut nous passer très très bien, nous ne pas prendre tête, nous. Ouais. Et puis au début, nous commençons, enfin, on est sur la fin de l'émission, on dit, mais au moins, le sport permet tout d'y construire cailloux, d'y faire des projets déjà nés depuis longtemps. En quelque part, ça t'a servi à ton épanouissement personnel, quoi. Ah, mais je dis merci au sport. Ouais. Et je dis merci au sport, puis je dis merci à pas mal de Martiniquais aussi qui m'ont beaucoup aidé. Papa dire parce que c'est Comuel, Charpentier, Titi, d'autres monde autour de cela, Club Colonial, Golden, Lascouya, on l'a monné des moins. Mmh. Et mon père n'a pas dit le contraire. Mais ouais. J'aime mon pays, j'aime le Martiniquais. Et en tout cas, vu que le pays a, nous sortions dans notre dynamique, nous avons passé des moments difficiles. Ah, mais oui. Nous avons pensé que nous pouvons résoudre le problème là, parce qu'effectivement, il y a la vie chère, mais on nous gomme quand même. En tout cas, mesdames et messieurs, c'était Max Morinière dans Parcours de vie. Vous avez appris pas mal de choses. En tout cas, portez-vous bien. À très, très, très bientôt. Merci.